Oui, ça donne envie de recommencer. Rebonsoir. Donc, bienvenue à la séance du 25 avril 2022. Alors, j'ouvre la séance en constatant quorum. Donc, je vous remercie à tous d'être présents. Merci aux citoyens aussi d'être présents dans la salle. Je commencerai déjà par le mot de la mairesse. En fait, j'ai quelques petites informations à vous donner. Donc, quelques faits saillants, en fait. Ce soir, on va octroyer le contrat pour l'implantation de la ligne 311. Donc, c'est un élément qui nous tient à cœur comme conseil d'être plus efficace au niveau des communications avec les citoyens. Donc, c'est une première étape, en fait, pour faciliter le parcours du citoyen. Ce qu'on vise ultimement, en fait, c'est que la personne qui appelle à la ville ait la réponse par la personne qui répond. Donc, c'est l'idée de ne pas envoyer à gauche, à droite les citoyens, mais bien de les prendre en charge et de répondre le plus rapidement possible aux besoins. C'est une démarche administrative qui va prendre environ, on calcule un 12 mois à installer. Donc, ce soir, on va être dans la première phase d'octroi de contrat. Alors, on va vous la présenter. On a aussi un beau projet par rapport à des modules de jeu qui vont arriver au parc Gédéon Coursol. Donc, c'est le parc qu'on retrouve juste à l'arrière de l'école Tournesol. Donc, c'est cet été que ça va se passer, les travaux pour que nos jeunes puissent y jouer là, dès le retour en classe à la rentrée scolaire prochaine. Ce qui est nouveau aussi, c'est l'étape de quartier qui commence. Donc, on invite les citoyens du district 2 du Golfe à s'inscrire pour la rencontre qui aura lieu ce jeudi, oui, à 19 h, ici au Centre des loisirs. Puis la prochaine table de quartier qui va suivre, c'est pour le district 5, donc celui du Vieux-Bel-Oeil, qui aura lieu le 5 mai également. Donc, on va pouvoir vous en parler ultimement. Nouveauté ce mois-ci pour la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, vous nous avez vu cheminer dans les derniers mois dans l'adoption de la régie interne. Donc, on a adopté officiellement notre nouvelle procédure de faire et vous verrez que dans l'ordre du jour qui vous est proposé, à la toute fin, avant la dernière séance de questions, il y a espace pour que chacun des conseillers, ils en sentent le besoin là, de partager des informations, de donner des bons coups, des bonnes nouvelles, donc de pouvoir profiter du moment en séance publique pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce soir que ça va commencer. On voudrait aussi, donc, reconnaissance des années de service, célébrer les 40 ans de service de Mme Sylvie Lacombe, secrétaire à la Direction générale au Bureau du citoyen, qui est vraiment bien connue des citoyens de Bel-Oeil. Mme Lacombe, donc, a fait ses 40 ans bien sonnés avec nous à la Ville et profite de l'occasion pour prendre sa retraite. Donc, on veut souligner son passage magnifique à travers l'organisation et on la remercie infiniment pour ses belles années de service. Un grand merci. Profitez bien de la retraite. Pour la période de questions, oui. Merci. En effet, ça vaut la main d'applaudissement. Merci beaucoup. Je vous rappelle que pour la période de questions, en fait, il y aura deux séances de questions. La première de 15 minutes au début complètement aura trait à des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour qui est proposé aujourd'hui. Et la deuxième partie des questions, donc en toute fin, pourra être concernant les points qui auront été présentés à l'ordre du jour. Alors, vous pouvez le faire en personne. On a encore la plateforme webdiffusion wdplus-neo.com ou par courriel à l'avance. Vous pouvez toujours envoyer vos questions par courriel à citoyen@commercialbeloeil.ca. ou par le numéro central de la Ville au poste 2804. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou vos questions à l'avance. C'est afin de rendre un dernier hommage à notre estimé collègue Pierre Verret, conseiller municipal du district 6 du Tournesol, qui est décédé le 6 avril dernier. J'inviterai ma collègue Renée Trudel, qui a travaillé avec lui pendant de nombreuses années, à prendre la parole pour rendre hommage à M. Verret. Merci. Pour tous ceux qui l'ont connu, un peu ou beaucoup, vous savez comme Pierre était un homme engagé, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Sa priorité a toujours été sa famille, son épouse Nicole, ses enfants Marie-Pierre et Alexandre et ses 5 petits-enfants adorés. Homme de cœur, Pierre avait vraiment la ville de Bel-Oeil tatouée sur le cœur, sa deuxième famille.
Et ces 17 années d'implication active en politique municipale se sont concrétisées par une multitude de projets, petits ou grands, desquels il était très fier. Pierre, c'était avant tout un grand humaniste, un homme pour qui la priorité a toujours été le bien-être de sa communauté, de ses voisins, de ses collègues et des employés. Impliqué, passionné, dévoué, Pierre a tout donné pour les projets auxquels il croyait. C'est important pour lui de donner un sens à ses actions, de toujours rappeler les raisons pour lesquelles un projet devait être mené à terme. Pour les enfants, pour les aînés, pour la vitalité économique de la région, pour les personnes handicapées, pour l'environnement, pour la culture, pour les saines habitudes de vie, bref, Pierre était de tous les combats. Évidemment, nous nous souviendrons entre autres de lui pour la création du projet « Dans ma rue, on joue ». Une première au Québec en 2016 qui a tellement résonné auprès de la population que des dizaines de villes l'ont implanté depuis et qui a même mené à l'adoption d'un projet de loi officiel à l'Assemblée nationale du Québec. Peu coûteux, rassembleur, porteur, ce projet représente bien ce pourquoi Pierre s'est impliqué aussi activement en politique. En terminant, nous tenons à saluer un homme compétent, plein de ressources et infatigable, dont le but a toujours été de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes de Belle-Oeil. Merci, Pierre, pour ton inestimable contribution à la ville de Belle-Oeil. Et dans cet esprit, j'inviterai les membres du conseil et les gens présents à se lever pour un moment de recueillement. Donc, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Donc, il y avait un retour sur la période de questions de la séance du 28 mars 2028. Madame Vallière, on avait répondu à l'ensemble des questions qui avaient été posées de façon individuelle. Oui, où ça sera fait là, dans les prochains jours, là, je vais m'en assurer. Parfait. Je vous remercie. Donc, ce qui arriverait au point 4, donc pour la période des questions portant sur les autres points qu'à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Monsieur Courdi. Sur l'ordre du jour ou au général sur les passés? En fait, c'est des questions qui n'ont pas trait à l'ordre du jour là, actuellement qu'on traite. Oui, juste... Je vais vous inviter, quand vous allez prendre la parole, je sais que vous êtes un habitué, mais à nommer votre nom et votre adresse, parce qu'il arrive quelquefois qu'il y a des citoyens qui prennent la parole et puis on échappe le nom ou l'adresse. Donc, même si vous êtes un habitué, juste une fois, pour la première question. le nom, j'ai pas de problème. L'adresse, j'ai un problème. Ah, bon, d'accord. OK. Oui. Le nom, c'est Antoine Courdi. Citoyenne de Belle-Oeil. Merci, M. Courdi. On va dire dans le district de Villon. Voilà. Excellent. C'est comme adresse, c'est suffisant. Je lisais dans le journal de cette semaine sur la ristourne de 325 000. Oui. La ville décide qu'elle va affecter ses montants à la fin de l'année. Oui. Je crois sincèrement que cette ristourne appartient aux citoyens, donc en particulier moi-même. Oui. Et si elle doit être affectée, elle doit être juste affectée à la taxe de vignange ou à la quote-part de la ville, en particulier à la taxe de déchets et autres recyclages, oui, pour qu'elle soit diminuée et par la suite distribuée. Autrement, je vais attendre un chèque dans les conditions actuelles économiques, une inflation à 6 %, mm-hmm, un chèque de 50, 60, 70 $ serait toujours le bienvenu pour n'importe quel citoyen. Parfait. On retient votre commentaire. Et comme on a reçu la ristourne en 2022, en fait, c'est un surplus non affecté qu'on a. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit attendre la fin de l'année pour être capable de l'affecter à nouveau. Mais c'est une ristourne pour les paiements de 21. Oui, donc, oui, mais déjà reçu. Payé. Mais reçu en 2022. Ouais, c'est ce qu'on m'a expliqué aux finances. C'est pas grave. C'est que cette ristourne revient. Oui. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec le budget de la ville. Ça, c'est une taxe à part que chaque porte paye à cette régie, à la régie. Donc, c'est juste une suggestion et autre, ou bien, je m'attends un chèque. Comme le bout nous a envoyé à 500 $, on va prendre un.
Parfait. Merci, M. Gourdi. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Mme Vallière? Aucune question en ligne. Parfait, merci. Oui. Michel Cassette. Bonjour, M. Cassette. 560 Bienville. Je peux donner mon adresse, c'est pas grave. Ça fait 30 ans que je suis ici. Non, moi, ma question, c'est au sujet de l'aréna André Saint-Laurent. Oui. Je veux savoir si vous avez mis dans votre budget et dans l'avenir quelque chose pour remplacer la cantine ou pour qu'on ait une cantine pour la prochaine année. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de citoyens là, se questionner par rapport à la cantine qui n'existe plus. Mais non, dans les discussions, on n'a pas eu cette discussion-là directement pour la cantine. Par contre, on a le plan directeur qui arrive au niveau des sports et loisirs, là, mais c'est un besoin qui est bien précis. On le prend en note, puis on va pouvoir en faire une bonne discussion, je pense, au sein du conseil pour essayer de trouver une solution. Oui, parce que actuellement, on a un tournoi, je ne sais pas si vous le savez, on a un tournoi qui traîne, qui tourne depuis 38 ans. Et on aimerait bien ça qu'on ait une cantine cette année à la Renault. Ça fait que je voudrais juste... vous amener le point que commencer à discuter parce que je vais vous revenir avec une pétition bientôt. Mais il y a peut-être moyen avec le service des loisirs de voir comment est-ce qu'il pourrait y avoir de façon ponctuelle là, justement pour le tournoi des infrastructures de mise en place ou de trouver quelque chose là, vraiment de ponctuel pour le tournoi. En attendant d'avoir trouvé la bonne solution pour l'ensemble du conseil, là, ça sera à voir, mais on pourra passer la demande au service des loisirs, Mme Vallière. OK. Oui. Je vous remercie. Merci, c'est une excellente suggestion. Bon tournoi en passant. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre l'ordre du jour. Alors, j'arriverai au point de l'adoption de l'ordre du jour et je demanderai l'appui de mon collègue Vincent pour en faire la proposition. Merci. Alors, tout en reportant le point 52, alors je propose l'adoption de l'ordre du jour avec dispense de lecture. C'est le point 53. Qui est proposé d'être reporté parce qu'il nous manque des informations pour être capable de prendre la décision. Oui, c'est ça. Sinon, la station de pompage va être malheureuse. Donc, il est proposé l'ordre du jour tel quel, avec dispense de lecture, en reportant le point 53 qui est présenté. J'appuie. Tout le monde est d'accord. Merci. Oui. Alors, point 6, l'approbation des procès-verbaux pour la séance du Conseil du 28 mars 2028 et de la séance extraordinaire du Conseil du 11 avril 2022. Je vais demander à Martin Dubreuil d'en faire la lecture et la proposition. Merci. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil du 28 mars 2022 et extraordinaires du Conseil du 11 avril 2022, tels que soumis avec dispense de lecture. Je propose. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci beaucoup. Point 7, comité de préservation du patrimoine bâti. Donc, on a besoin de nommer un membre substitut. Je vous rappelle que le comité de préservation du patrimoine bâti est le seul comité à la ville qui a un pouvoir décisionnel et donc nécessite en fait en tout temps, lors des rencontres, des séances de ce comité-là, l'ensemble des élus présents. Donc, pour être capable de pouvoir prendre des décisions en temps et lieu, on voudrait ajouter un substitut à la constitution du comité de préservation du patrimoine bâti, amoureusement appelé le CPPB. Je vais demander à Martin Dubreuil de faire lecture. Merci. Alors, je propose de nommer mon collègue, le conseiller Karim André Laz, à titre de membre substitut sur le comité de préservation du patrimoine bâti, le CPPB, à compter du 27 avril 2022 pour une durée d'un an. J'appuie. Je vous remercie. Passons maintenant à l'étape des consultations publiques. Donc, nous en avons cinq ce soir. La première, en point 8, c'est une demande de dérogation mineure pour le 77 rue Brunel. En fait, c'est la révision du plan d'aménagement paysager. Donc, Mme Vallière, est-ce que nous avons eu des gens qui souhaitent intervenir? Aucune intervention reçue. Merci. Madame Lavoie, est-ce que vous souhaiteriez présenter cette demande de dérogation mineure, s'il vous plaît?
Oui, alors, donc, il s'agit d'une nouvelle construction là, sur la rue Brunel entre la 116 et la rue Richelieu. Alors, je propose d'autoriser la dérogation mineure numéro 2022-9012, telle que demandée pour le 77 rue Brunel, aux conditions prévues à la recommandation du 2022-03-35 du Comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Madame, je vous remercie. Madame la mairesse? Oui? Oui, il faudrait qu'avant, on demande l'audition des personnes habiles, des personnes intéressées dans la salle, pas juste en ligne. Merci pour le rappel. Oui, donc, est-ce que dans la salle, des gens souhaitent intervenir sur cette demande de dérogation mineure? Ça va pour tout le monde? Super, je vous remercie. Donc, on reprend où on l'a laissé. Donc, Madame Lavoie, vous proposez et Madame Trudel appuie. En point 9, dérogation mineure pour le 280 rue Rainville pour la localisation d'arbres, donc audition des personnes intéressées et autorisation. Donc, Madame, est-ce qu'il y a des questions de l'auditoire? Toujours rien en ligne. Est-ce qu'en salle, on a des questions pour cette demande de dérogation mineure? Non. Alors, je demanderai l'aide de Madame Ali pour en faire lecture et proposition. La réception d'une demande de dérogation mineure 2022-90-19 pour la propriété située au 280 rue Rainville. Cette demande vise juste à permettre l'implantation de 6 arbres. Au lieu de les mettre juste en façade, ils vont pouvoir les mettre partout sur le terrain parce que ce terrain-là a une forme particulière. Disons qu'il est peu profond, mais il est très long en façade. Alors, cette demande est assujettie au règlement 1766-00-2019 relatif aux dérogations mineures. La dite demande a été étudiée par le Comité consultatif d'urbanisme et que ce dernier recommande au Conseil de l'autoriser. Alors, je propose d'autoriser la dérogation mineure numéro DM 2022-90-19 telle que demandée pour le 280 rue Rainville, aux conditions prévues à la recommandation 2022-03-44 du Comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Je vous remercie. Le point 10, nouvelle dérogation mineure, une demande pour les adresses 64 à 72 de la rue Choquette. Donc, c'est une révision de conditions. J'inviterai Mme Trudel à en faire la présentation. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes? Ah oui! Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Aucune personne intervenir? En ligne. Merci. En salle, est-ce qu'on a des gens qui souhaitent intervenir? Non. Excellent. Alors, merci. On se rappelle que c'est une... Pour retirer une condition à une dérogation mineure, on souhaitait que le propriétaire installe un stationnement écologique composé de pavés alvéolés et il a fait une proposition pour un autre type de pavage, en fait, et nous avons considéré sa proposition comme intéressante comme projet pilote. Alors, c'est pour ça que je propose d'autoriser la dérogation mineure, en fait, telle que demandée pour le 64-72 rue Choquette, aux conditions prévues à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Je vous remercie. En point 11, un usage conditionnel pour le 201 rue du Buisson. C'est un bâtiment modulaire, donc j'inviterai Mme Trudel à présenter. Ah non, avant, je vais demander si on a des interventions du public. Donc, en ligne. Aucune intervention. Aucune intervention. Dans la salle. Oui, bien, c'est par rapport au modulaire Jean-Yves Labadie, 160 rue Brodeur, Belleuil. Merci. C'était juste pour souligner, dans le fond... On voit les modulaires se multiplier comme des champignons autour des écoles. Ça va nous prendre une nouvelle école. Merci. En effet. On a bien hâte à tout ça. Absolument. Alors, effectivement, c'est pour autoriser l'ajout de bâtiments modulaires à l'école Tournesol en attendant la nouvelle école. Et on a bien, le CCU a fait une recommandation aussi pour que ce soit mentionné temporaire avec un délai, en espérant qu'on soit en mesure, évidemment, de s'y conformer. Alors, je propose d'autoriser la demande d'usage conditionnel pour le 201 rue du Buisson, c'est l'école Tournesol, aux conditions prévues à la recommandation du CCU. J'appuie. Je vous remercie.
En point 12, un usage conditionnel pour le 1014 rue Saint-Joseph, un logement supplémentaire. Donc, je demanderai la participation de Mme Lavoie pour la proposition. Ah non, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Dans... Est-ce qu'on a des aucune gens... intervention. Aucune intervention en ligne. Dans la salle, oui? Jules Lebrun, je suis le propriétaire de cet immeuble-là. Mm-hmm. On n'a jamais entendu parler de tout ça. On a toutes fait les demandes à la ville. Et le 7 avril, on nous installe une pancarte en disant qu'on a à voir si les gens vont s'opposer à notre projet. Alors oui. que la ville, autant le comité d'urbanisme, nous avait dit qu'il n'y avait aucun problème. Mais là, tout ce que vous nous mettez dans les pattes, mais ça nous amène à une construction qui va être éternelle. Ça. On remet. Ça fait déjà 4 mois qu'on est en attente de cette décision-là. Fait que je ne sais pas si on va pouvoir avoir une date qu'on va pouvoir avoir un permis. Oui, je vous le souhaite. En fait, le processus légal est dans l'obligation de procéder de cette façon-là. Je comprends, mais pourquoi? L'information oui. vous a été... jamais. Jamais été transmise. Ils n'ont jamais dit ça. Fait, parce qu'on n'aurait probablement pas acheté cette demeure-là si on avait été obligé d'attendre tout ce processus-là. C'est peut-être une remarque à faire à votre comité qu'ils disent aux gens tous les processus. Étapes à suivre. Toutes les étapes, parce que la dame qui m'a rencontré au mois de janvier me dit, monsieur, il n'y a aucun problème, c'est déjà établi qu'il y a une loi bifamiliale, trifamiliale. Mais là, à un moment donné, on reçoit une pancarte sur notre terrain le 7 avril, alors que c'était nullement prévu. On nous avait dit que l'autorisation du permis s'en venait. Puis là, on retarde. Oui, je peux une comprendre. Semaine qu'on retarde présentement, oui. c'est 3 semaines minimum pour avoir le matériel. Tout à fait, j'en suis consciente. J'aimerais savoir aujourd'hui la réponse peut-être que vous allez nous donner, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Bien, en fait, je peux peut-être laisser la parole à Maître Tremblay pour les étapes légales lors des demandes comme ça, pour un usage conditionnel. Donc, en principe, c'est la dernière étape légale. Donc, après, les permis devraient pouvoir s'émettre. Là, je ne suis pas au courant du dossier spécifiquement. Mais théoriquement, on pourrait cogner à la porte de l'urbanisme assez rapidement. En fait, eux devraient vous revenir. C'est parce que le problème, madame, c'est qu'à la ville, on sonne aux portes, on cogne aux portes. Comme un exemple, j'ai eu un permis de construction pour bâtir un garage. Il nous manquait un petit détail parce que la dame nous donnait pas. J'ai demandé de me rappeler. Ça fait déjà 8 jours. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Mais de toute façon, ce soir, on va noter puis on va s'assurer que vous ayez un suivi rapidement. Mais j'espère parce qu'on n'est pas capable d'avoir des réponses. Puis c'est toujours remis d'une personne à l'autre. Jamais personne ne peut prendre notre dossier. C'est toujours un autre. La dame est partie, on va vous remettre à une autre personne. Mais si votre dossier est rendu à la dernière étape, c'est bon signe, donc on va vous revenir. Merci. Je vous remercie. Donc, suivant l'intervention, je demanderai à Mme Lavoie de faire la présentation de la proposition. Donc, effectivement, pour le 1014 rue Saint-Joseph, il s'agit d'approuver un logement supplémentaire, donc avec usage conditionnel. Il s'agit d'un projet qui respecte tous les règlements et le permis vous sera émis, j'espère, très bientôt. Donc, je propose d'autoriser la demande d'usage conditionnel UC 2022-9022. Pour le 1014 rue Saint-Joseph, aux conditions prévues à la recommandation 2022-04-57 du Comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Je vous remercie. Oui? Juste revoir le nom de monsieur. Monsieur Lebrun. Gilles Lebrun. Parfait, merci. Poursuivons au point 13, au niveau de l'implantation du service d'impartition des appels municipaux, le fameux 311 dont je faisais mention en début, en entrée de jeu. Donc, on est à l'octroi de contrat et je demanderai à ma collègue Mme Trudel d'en faire la lecture et proposition. Exactement. Donc, considérant que la Ville de Belleuil veut mettre en place ce service d'impartition pour, c'est un service aux citoyens, et que la COCA est un organisme à but non lucratif qui est légalement constitué, la loi sur les cités et villes prévoit une exception, donc qui permet à la Ville d'octroyer un contrat avec un organisme à but non lucratif.
et la division de COCA s'engage à débuter les travaux de mise en place du 311 au lendemain de l'adoption par le Conseil d'une résolution qui confirme l'engagement de 3 ans de la Ville envers ses services. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour l'implantation de services d'impartition sur la base des prix unitaires qui apparaissent sur l'offre de service datée du 30 mars 2022, le montant total de 11 861,97 taxes incluses. De s'engager aussi à octroyer un contrat pour la prise des appels municipaux en dehors des heures d'ouverture à cette même entreprise, donc CITAM, division de COCA, sur la base du prix unitaire qui apparaît sur l'offre de service datée du 30 mars 2022, pour une période de 3 ans à compter du début de la prise d'appel pour un montant de 44 114,64 par année, taxes incluses. La valeur totale du contrat pour une période de 3 ans est de 132 343,93 taxes incluses, et la directrice générale est autorisée à signer tout document permettant la mise en œuvre de ce service de répartition des appels téléphoniques. J'appuie. Je vous remercie. Donc, la bonne nouvelle, j'espère que tout le monde l'a retenue, c'est qu'il va y avoir aussi un service à l'extérieur des heures d'ouverture des bâtiments municipaux. Direction des ressources humaines et du développement organisationnel maintenant, en point 14. Nous sommes à la direction générale, les services des communications et relations avec les citoyens, la création de postes de directeur ainsi que la nomination. J'inviterai Mme Ali à en faire la lecture et la proposition. Alors, je propose de créer le poste de directeur au service des communications et relations avec les citoyens au sein de la direction générale selon la classe 3A de la structure salariale du personnel d'encadrement et de nommer Mme Émilie Trinck à ce poste rétroactivement au 14 juin 2021 et d'abolir le poste de chef de service des communications et relations avec les citoyens. Il faut dire que Mme Trinck avait remplacé Mme Nguyen Minh lors de son congé de maladie et elle faisait les deux emplois, son emploi et celle de Mme Nguyen. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce poste-là et d'abolir l'autre. J'appuie. J'en profite pour souligner l'excellent travail de notre nouvelle directrice des communications et de la féliciter dans sa nomination. Merci beaucoup. Point 15, nous sommes à la direction des travaux publics. Il y a un poste de jardinier saisonnier permanent. Donc, pour l'embauche, je vais demander à Martin Dubreuil de m'aider à la présentation. Merci. Alors, je propose d'embaucher Émilie Mailloux au poste permanent de jardinier saisonnier au sein de la direction des travaux publics, et ce, à compter du 26 avril 2022, selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. J'appuie. Je vous remercie. Félicitations, Mme Mailloux, et bienvenue parmi nous. Direction générale, le poste de secrétaire. Alors, il va y avoir une transformation de poste, donc une abolition, puis la création du poste d'adjoint de direction. J'ai demandé à Mme Lavoie de nous en faire la présentation. Donc, je propose d'abolir à compter du 27 mai 2022 le poste de secrétaire au sein de la direction générale. Et je propose de créer, à compter du 26 avril 2022, le poste d'adjoint de directeur au sein de la direction générale, selon la classe 6 de l'annexe B2 de la convention collective en vigueur. Donc, en fait, la nuance, c'est que c'était un poste de secrétaire. Il n'y avait pas de poste qui existait au niveau d'adjoint de direction, qui nécessite une classe supérieure là, que le poste de secrétaire. Alors, c'est la raison pour laquelle on crée ce poste-là aujourd'hui. Alors, j'appuie la proposition. Je vous remercie. Point 17, l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un regroupement d'achats. Je vais demander encore à Mme Lavoie de nous en faire lecture et la proposition. J'arrive. Donc, je propose que la Ville de Belleuil confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année, sur une période maximale de 5 ans. Je
propose aussi que la Ville de Belleuil s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres. Je propose aussi que la Ville de Belleuil s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et aussi que la Ville de Belleuil s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15% des primes totales versées par la municipalité. J'appuie. Merci. Passons maintenant au point de direction de l'urbanisme. En point 18, nous avons une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, amoureusement appelé PIIA, pour le 1014 rue Saint-Joseph. Donc, 1014 rue Saint-Joseph, c'est le projet qu'on a vu justement de M. Lebrun tout juste avant dans les consultations publiques. Donc, je vais demander à Mme Lavoie de présenter le projet. Oui, alors je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2022-04-51 du Comité consultatif d'urbanisme le plan donc, d'implantation, le P2IA 2022-9023 et d'autoriser la délivrance du permis au demandeur pour permettre la construction de logements additionnels annexés à une résidence unifamiliale au 1014 rue Saint-Joseph. Le dit projet respectant les objectifs et les critères des sections 2 et 14 du chapitre 3 du règlement 1680-00-2012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. Il est également recommandé au demandeur de procéder à la plantation d'arbres sur le terrain une fois le projet d'agrandissement terminé. J'appuie. Donc, c'était la portion pour pouvoir accéder à votre permis, M. Lebrun. Point 19, donc, une nouvelle demande de PIIA pour le 227 rue Saint-Mathieu. Révision et approbation. Je vais demander à Mme Trudel d'en faire lecture. Alors, c'est pour approuver aux conditions prévues dans une recommandation du CCU, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour autoriser la délivrance du permis aux demandeurs et permettre le remplacement de l'aménagement de conteneurs de matières résiduelles semi-enfouies par des bacs amovibles. Ça se situe au 227 rue Saint-Mathieu. Le projet respecte les objectifs et critères de la section 2 du chapitre 3 du règlement. On est contraint de faire cette modification-là parce qu'après vérification, il s'avère que les camions qui doivent effectuer la collecte, à même les conteneurs où sont placés, ne peuvent pas y aller de façon sécuritaire. Donc, on doit se retourner malheureusement dans ce cas-ci pour les bacs. Alors, soyez assurés que des dispositions ont déjà été prises pour que ça ne se reproduise plus. Alors, je propose tout simplement de donner la délivrance du permis et de faire cette modification-là au règlement. J'appuie. Merci. Point 20. Donc, une demande pour la rue Serge Pépin, la construction d'un bâtiment mixte. Je vais demander à Mme Trudel de poursuivre la présentation. Oui, alors c'est pour approuver aux conditions prévues à la recommandation du CCU, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, et d'autoriser la délivrance du permis. C'est pour permettre la construction d'un bâtiment mixte qui comprend 125 unités de logement et 4 commerces. C'est sur le lot qui est mentionné dans la circonscription foncière de Verchères. Le dit projet respecte les objectifs et critères de la section 6 du chapitre 3 du règlement. Et évidemment, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA. Et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet avant que les dix travaux n'aient débuté. Je propose. J'appuie. Donc, c'est un projet qui se retrouve sur la rue Serge-Pépin, qui est juste entre le cinéma, en fait, puis le CHSLD actuel. Il y a un immense terrain vacant. Donc, le projet va se déposer à cet endroit-là. Parfait. Point 21. Donc, un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la rue de l'Industrie. Cette fois-ci, construction de deux bâtiments résidentiels de 30 logements pour approbation. Madame Lavoie, vous voulez en faire la présentation? Oui, merci. Alors, il s'agit, dans le fond, de bâtiments dans les faubourgs Richelieu. Il y a déjà des constructions identiques là, qui sont déjà faites et terminées. Il s'agit seulement d'un processus où ça se continue, finalement. Donc, il y a 6 bâtiments, si je ne m'abuse, qui s'en viennent là, identiques. Donc,
Donc, je propose d'approuver aux conditions prévues. Je vous épargne les chiffres. Suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, P2IA 2022-2028, est d'autoriser la délivrance du permis au demandeur pour permettre la construction des deux bâtiments de 30 logements, chacun dans la phase 2 du faubourg Richelieu. Donc, le faubourg Richelieu est situé l'autre côté de l'autoroute 20 à Belœil, pour vous situer. Le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 12 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que lesdits travaux n'aient débuté. J'appuie. Merci. Procédons maintenant à la demande sur la rue Saint-Mathieu, construction de deux bâtiments résidentiels multilogements. Madame Lavoie, vous voulez présenter? Oui, alors il s'agit de la dernière phase aussi de construction qui est sur la rue Saint-Mathieu, entre la rue Gertin et Monseigneur de Laval. Donc, il s'agit donc d'autoriser, aux conditions prévues à la recommandation, encore une fois, du Comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, P2IA 2022-9032, et d'autoriser la délivrance du permis au demandeur pour permettre la construction de deux bâtiments. Là, il s'agit de deux bâtiments avec un espace vert au centre, et donc c'est pour ça qu'il a été séparé en deux. Donc, il s'agit d'une même phase de construction, ayant un total de 15 logements sur le lot 6,395,624 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 2 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que lesdits travaux n'aient débuté. Pour mettre en contexte tout le monde, en fait, c'est la troisième phase de l'ancien marché Pépin dans le vieux Belœil, pour les situer. Je vous remercie. Passons maintenant au point des affaires juridiques, donc au point 24. Il reste un point, Mme Lavarez. Pardon? Le point 23. Oh, je m'excuse. Merci. Comité consultatif en développement durable, CCDD, nous avons une nomination en point 23. Madame Trudel? Merci. Un poste est devenu vacant suite à la démission du président, M. César, qui a fait partie du comité CCDD de nombreuses années, qui a donné une contribution vraiment très intéressante. Alors, on le salue et on le remercie. Et suite à cette vacance, conformément au règlement, relatif à la régie interne des comités-commissions, prévoit qu'en cas de départ de membre, le Conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du poste devenu vacant. Alors, comme vous le savez, on avait déjà fait un appel de candidature le mois dernier parce qu'il y avait un poste qui était vacant suite à l'élection de M. Dubreuil, qui était membre citoyen sur le CCDD et qui est maintenant un membre élu. Alors, tout ça pour vous dire que je propose de nommer Mme Audrey Simon pour siéger à titre de résidente au sein du comité CCDD pour la fin de mandat du poste devenu vacant. Et je propose aussi de renouveler le mandat de tous les membres pour une durée de 2 ans, soit du 30 avril 2022 au 30 avril 2024. J'appuie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une question, M. Courdier? Donc, réellement, nous sommes rendus au point 24. Une modification de règlement pour la régie interne des comités et des commissions afin de prévoir la nomination de substituts sur l'ensemble des comités et commissions. Je vais demander l'aide de mon collègue Martin Robert pour en faire lecture et proposition. Merci. Il est proposé d'adopter le règlement 1770-06-2022, modifiant le règlement 1770-00-2019, relatif à la régie interne des comités et des commissions afin de prévoir la nomination de substituts. Je propose. J'appuie. Je vous remercie.
Les points 25 et 26 vont être traités ensemble et je vais demander l'aide de M. Laz pour ces points. Alors, il s'agit du dépôt d'un projet qui est conforme aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, il s'agit d'un projet qui vise à modifier le règlement 1775-00-2020 afin d'insérer des dispositions en matière de protection contre les incendies. Donc, vous en donnez l'avis de motion? Je donne une petite seconde, pardon. Alors, je donne l'avis de motion que ce règlement a pour but d'établir des normes en matière de protection contre les incendies. Donc, ce règlement abroge le règlement 1554-00-2007 concernant la prévention incendie de la ville de Belleuil et ses modifications. Dans cette modification de règlement-là, c'est l'intention, en fait, c'est d'essayer d'uniformiser à travers les villes qui sont sous la régie du service incendie. Donc, on essaie d'uniformiser un peu la réglementation entourant les procédures. C'est ce qu'on tente de faire par cette proposition. Passons maintenant aux points 27 et 28 que nous traiterons ensemble également. Donc, je vais demander l'aide de Monsieur Martin Robert pour nous en faire part. Avec plaisir. Je tiens tout d'abord à remercier une citoyenne dans le district que je représente, les Bourgs de la capitale, Mme Karine Lorrain, pour la suggestion. C'est une très bonne idée. Donc, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je propose de déposer le projet de règlement 1775-06-2022, modifiant le règlement général 1775-00-2020. Ce règlement a pour but d'ajouter le premier samedi et le premier dimanche du mois de mai aux journées auxquelles sont permises les ventes de garage et de débarras. Donc, je fais à la fois l'avis de dépôt et l'avis de motion. Je propose. Excellent. Et comme on arrive, en fait, au mois de mai, où on va faire l'adoption à la fin du mois de mai seulement, on va essayer de trouver une façon de permettre aux citoyens de pouvoir bénéficier de cette nouvelle mouture réglementaire-là là, dès la première fin de semaine de mai. On vous tient informés le plus rapidement possible. Passons maintenant au point 29. Donc, relatif à la gestion contractuelle, on l'a vu le dernier conseil dernier. Dans le fond, ce qu'on souhaitait faire, c'est intégrer le règlement d'éthique et déontologie à travers divers règlements. Donc là, on parle de la gestion contractuelle et ensuite, on va parler de la déontologie au niveau des employés municipaux. Je vais laisser la parole à M. Dubreuil pour nous en faire la présentation et la proposition. Merci. Alors, je propose d'adopter le règlement 1777-02-2022 qui modifie le règlement 1777-00-2020 relatif à la gestion contractuelle. Je peux vous donner un peu de détails. Ce règlement a pour objet de modifier la disposition relative aux avantages offerts à un titulaire d'une charge publique par un fournisseur en concordance avec le règlement 1789-00-2022 concernant l'éthique et la déontologie des employés municipaux et le règlement 1788-00-2022 concernant l'éthique à la déontologie des membres du conseil municipal. Alors, je le propose. J'appuie. Merci. Passons au point 30. Donc, modification réglementaire, toujours concernant l'éthique et la déontologie, mais cette fois-ci pour la réglementation entourant les employés municipaux. Monsieur Dubreuil. Alors, ce règlement a pour but d'établir les principales valeurs de la ville en matière d'éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci. Ce règlement abroge le règlement 1682-00-2012 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et ses modifications. Alors, je propose d'adopter le règlement 1789-00-2022 concernant l'éthique et la déontologie des employés municipaux. J'appuie. Je vous remercie. Passons au point 31. Bell Canada, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Alors, pour approbation et autorisation de signature, M. Dubreuil, voulez-vous nous présenter tout cela? Oui. Alors, il s'agit d'une entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Donc, il s'agit ici de
proposer que le service d'appel, d'urgence 911 pour la ville de Belleuil, qui est géré par la régie intermunicipale de la police de Richelieu-Saint-Laurent, faisant office de centre d'appel de la sécurité publique. Alors, je propose d'approuver l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération à intervenir entre la ville de Belleuil et Bell Canada et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Je vous remercie. Point 32 maintenant. Les assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires municipaux et les assurances remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident de travail. Donc, c'est pour autorisation de paiement. Monsieur Robert, merci d'en faire la présentation. Avec plaisir. Il est proposé d'autoriser la dépense et le paiement de la facture 515-483 de BFL Canada Risques et Assurances Incorporées d'un montant de 6 809,92 relative au renouvellement de l'assurance aux fins de la protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires municipaux et assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident de travail pour la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023. Je propose. J'appuie. Je vous remercie. Passons au point 33. Donc, transaction immobilière pour une servitude, annulation de servitude, en fait, une vieille servitude. Je vais demander à Mme Ali de nous en faire la présentation et la proposition. Afin de procéder à l'annulation d'une servitude consentie le 7 octobre 1946, j'étais pas au monde, sur le lot 3 955 888 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville. La servitude a été consentie pour l'entretien d'une conduite d'aqueduc desservant Belleuil à partir du lac Hertel. La dite conduite ne nous appartient plus et que de ce fait, nous n'avons plus l'usage de cette servitude. Alors, je propose d'approuver l'acte d'annulation partielle de servitude à intervenir entre M. Nicolas Carbonneau, Mme Marie-Odile Côté et la Ville de Belleuil et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Je vous remercie. On fait du ménage dans nos vieilles servitudes. Les points 34 et 35 touchent en fait des réparations d'infrastructures qui ont été faites sur le tronçon Yvon-Lheureux-Sud. Donc, de par ces nouveaux aménagements-là, il y a demande de servitude. Alors, je vais demander à Mme Ali de poursuivre la présentation pour le point 34, s'il vous plaît. Suite aux travaux de réfection du boulevard Yvon-Lheureux-Sud effectués en 2021, une servitude est nécessaire pour l'entretien des infrastructures sur le lot 4 553 133 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Alors, je propose d'approuver l'acte de servitude à intervenir entre Mme Anita Malo et la Ville de Belleuil et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Pour le point 35, je vais demander l'aide de Mme Lavoie pour la présentation. Donc, c'est un peu pour les mêmes raisons. Alors, suite aux travaux de réfection du boulevard Yvon-Lheureux-Sud, ça a été effectué en 2021, il y a une servitude qui est nécessaire pour l'entretien des infrastructures sur le lot 4 553 138 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Verchères, toujours. Alors, je propose d'approuver l'acte de servitude à intervenir entre M. Denis Trudeau et la Ville de Belleuil et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint a signé tout document à cet effet. J'appuie. Merci. En point 36, une demande d'addenda pour une entente que nous avons déjà là, pour le projet Carrefour Saint-Jean-Baptiste, le développement commercial. Madame Trudel, si vous voulez vous en faire la présentation. Oui, merci. En fait, ça concerne une portion de terrain là, qui se situe derrière le bâtiment qui est Réseau Sélection. C'est une entente qui a été signée entre la Ville de Belleuil et Gestion Guertin. Et le promoteur est en attente d'une décision de la CPTAQ
pour pouvoir légalement procéder à la cession de l'eau. Alors, tout ce que nous faisons, en fait, c'est de prolonger le délai qui lui était accordé précédemment. Donc, dans l'entente, c'est un délai qui est accordé de 3 ans, du 26 octobre 2018 plus 3 ans. Alors, ce qu'on demande, c'est d'ajouter 2 ans pour aller au 25 octobre 2023. Donc, on passe du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2023. Je propose d'approuver l'addenda à l'entente intervenir et avec Gestion Gertin et la Ville de Belleuil et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Passons au point Direction des finances. En point 37, il y a réallocation de fonds pour les projets en cours. Nous avons besoin d'une approbation. Monsieur Dubreuil. Alors, vous avez un tableau là, dans les documents qui sont fournis qui détaille les différentes demandes de réallocation de fonds des projets en cours des différentes directions de la Ville de Belleuil pour la période du 16 mars au 11 avril 2022. Alors, je propose d'approuver la réallocation de fonds des projets en cours pour la période du 16 mars au 11 avril 2022 au montant total de 62 275 tel que présenté sur la liste jointe en annexe. J'appuie. Merci. Point 38, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, 29 juin 2022, autorisation. Madame Ali. La trésorière produit l'état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Alors, je propose d'ordonner à la greffière de procéder à la vente de ces immeubles pour défaut de paiement des taxes le 29 juin 2022 à 10 heures. La trésorière ou la trésorière adjointe sont autorisées lors de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes à acquérir pour et au nom de la Ville de Belleuil tout immeuble mis à l'enchère et ce, pour un montant égal à la somme des taxes dues en capital, intérêts et frais. J'appuie. Merci pour notre information, Maître Tremblay. Il y a des étapes qui nous amènent au 29 juin. Est-ce que vous voulez faire mention aux citoyens des étapes qui restent avant de procéder? En fait, les gens qui sont visés par la procédure ont été avisés évidemment par lettre. Il y aura également 2 avis publics au courant des semaines à venir là, dans lesquels vous pourrez voir les propriétés restantes. On va aussi tenir à jour la liste des immeubles qui sont toujours dans la vente pour taxes au fur et à mesure là, où les gens acquittent les sommes dues. Évidemment, c'est assez rare qu'il reste là, des propriétés là, dans la vente pour taxes. Donc, ça s'épure au fur et à mesure. Merci pour l'information supplémentaire. Point 39, la Commission municipale du Québec, on a un dépôt de l'audit de conformité. Alors, je vais vous faire une petite mise en contexte parce que, en fait, on a une non-conformité à travers cet audit. Donc, c'est simplement pour vous informer là, du déroulement des espaces audités. Donc, on est non conforme au dépôt pour le rapport consolidé. Ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement, j'essaie de l'expliquer comme il faut, sinon je vais demander l'aide de Maître Tremblay. Mais le gouvernement, en fait, impose des dates de tombée pour les municipalités pour déposer les rapports financiers consolidés. Alors, pour qu'ils soient consolidés, en fait, on doit avoir notre rapport financier à nous, qui est déjà prêt, qui est déjà prêt, et ajouter à ça, en fait, l'ensemble des régies qui sont aussi sous notre gouverne. Et c'est en ajoutant les régies qu'on dépose un rapport consolidé qu'on doit déposer avant le 15 mai de chaque année. Et, en fait, pour réussir à déposer un rapport consolidé, on doit recevoir les rapports nécessaires de nos régies. Et souvent, les délais sont très, très courts. Donc, la non-conformité que vous allez retrouver dans le document, c'est pas parce qu'on a mal fait nos rapports, c'est pas parce qu'on est vraiment dans toutes les étapes qui sont suivies rigoureusement. Par contre, c'est dans les dépôts de date où on n'a pas pu, en fait, se conformer à certains égards. Pour les années à venir, le Conseil souhaite ajouter une date dans les séances ordinaires du Conseil du mois de mai pour être capable de toujours être en conformité, parce que dans le fond, nos,
nos séances publiques sont à la fin du mois. Donc, c'est ça la difficulté, parce qu'on a besoin d'un certain délai pour se rendre au 15 mai. Donc, les rapports ne sont pas terminés pour le mois d'avril, ce qui fait qu'on doit les déposer au mois de mai. On ne veut pas les déposer en rencontre extraordinaire. Alors, pour la prochaine année à venir, on va ajouter une date au calendrier pour être capable de déposer conformément à la loi, donc nos rapports. Est-ce que je l'ai bien résumé, Mme Vallière? Oui, j'ajouterais juste que pour cette année, on va faire une séance extraordinaire là, oui. Pour le permettre, pour respecter les délais. Mmh? Le 9 mai, oui. En effet, il y aura séance extraordinaire pour pouvoir respecter les délais cette année, en conformité. Ça va? Alors, c'est un dépôt. Point 40, divers projets, la grille d'évaluation et de pondération pour approbation. Madame Trudel, si vous pouvez nous en faire la présentation. Oui. La Ville procède à des appels d'offres qualitatifs récurrents et les grilles d'évaluation et de pondération doivent être approuvées par le conseil municipal. Alors, une fois ces grilles approuvées, elles peuvent être utilisées pour les prochains appels d'offres qualitatifs. Et ce qu'on a demandé au niveau de l'administration, bien, c'est justement de nous orienter pour que ça puisse avoir un impact aussi. Alors, il y a une formule qui a été modifiée. Là, pour la plupart, les grilles sont à peu près sont les mêmes là, que ce qu'elles étaient précédemment, sauf une formule pour permettre à ce que, dans le cas des mandats qui sont donnés dans la surveillance des travaux, on puisse donner un peu plus de points pour justement donner le contrat à une firme qui a une meilleure qualité. Alors, avec l'étude qui avait été faite, on réalise que souvent, quand la surveillance des travaux est mieux faite, bien, à ce moment-là, les plans et devis sont de meilleure qualité. Le risque d'erreur ou d'omission qui générant des extraits, est plus faible. Alors, je propose d'approuver les grilles d'évaluation et de pondération soumises par le service des approvisionnements le 19 avril 2022 pour l'analyse des soumissions des prochains appels d'offres qualitatifs. Je puis. Tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Madame la mairesse? Oui? Il faudrait revenir au point 39. Madame Lagrécaire dit que ça prend un proposeur, un secondeur pour accepter le dépôt. C'est moi qui vous ai induit en erreur. Merci. Donc, on fait un retour au point 39. Madame Ali propose? Oui, je propose. J'ai un appuyeur. Et j'appuie. Madame Lavoie appuie. Merci. 40 étant terminé, passons au point 41. Démolition et reconstruction du chalet Alfred Nelson, grille d'évaluation et de pondération pour approbation. Madame Trudel. Alors, de façon plus précise, le projet de démolition et de reconstruction du chalet Alfred Nelson s'en vient. Pour ce projet, la Ville décide de procéder en mode conception-construction. Ça requiert une grille d'évaluation et de pondération puisque ce sera un appel d'offres avec une évaluation qualitative. Alors, je propose d'approuver la grille d'évaluation et de pondération qui est soumise par le service des approvisionnements pour l'analyse des soumissions pour la démolition et la reconstruction du chalet Alfred Nelson en mode conception-construction. J'appuie. Le chalet Alfred Nelson, c'est celui qui est juste à côté ici du centre des loisirs. Oui, face au centre. Merci. Point 42. Entretien des aménagements paysagers pour le ruisseau des Trentes et le bassin Dionys des Ilets. Donc, octroi de contrat, Madame Trudel. Oui, alors, Belleuil a mandaté l'entreprise Nature Action afin d'effectuer un aménagement paysager pour écologique pour le ruisseau des Trentes dans le secteur des Bourgs de la capitale. Ça requiert un entretien particulier. La Ville de Belleuil a aussi mandaté l'entreprise Nature Action pour effectuer l'aménagement paysager du bassin de rétention Dionys des Ilets dans le secteur des Bourgs de la capitale depuis 2014, et cet aménagement requiert aussi un entretien particulier. Et la Ville désire conclure un contrat afin d'effectuer l'entretien des aménagements paysagers du ruisseau des Trentes ainsi que du bassin Dionys des Ilets afin d'assurer le maintien du volet environnemental des aménagements pour l'année 2022. Selon l'article 6 du règlement relatif à la gestion contractuelle, la Ville peut octroyer des contrats de gré à gré s'ils sont inférieurs à 105 700 sur recommandation du chef du service des approvisionnements. Alors, pour cette raison, je propose d'octroyer les contrats pour l'entretien des aménagements paysagers du ruisseau des Trentes et du bassin Dionys des Ilets pour l'année 2022 à l'entreprise Nature Action pour un montant total de 35 724 sans taxes. J'appuie. Merci.
Maintenant, point 43, pour l'entretien préventif de l'ascenseur du Centre des loisirs, on a l'octroi de contrat. Monsieur Vincent Chabot, la présentation. Il est proposé d'octroyer un contrat pour l'entretien préventif de l'ascenseur au Centre des loisirs à l'entreprise Schindler Ascenseur Corporation pour une durée de 5 ans, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, au montant annuel de $3,587,22, taxes incluses, moins escompte de 4 % annuellement. La valeur totale du contrat pour une période de 5 ans est estimée à $17,936,10, taxes incluses. Le directeur des travaux publics ou son représentant sont autorisés à signer l'entente ainsi que tous les documents requis pour l'exécution du contrat. Je propose. J'appuie. Merci. Maintenant, M. Chabot, toujours pour le point 44, l'étude de circulation tant attendue pour le boulevard Yvon L'Heureux, Nord. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'une étude de circulation sur le boulevard Yvon L'Heureux Nord au bas soumissionnaire conforme, soit la firme WSP Canada Incorporée, sur la base des prix forfaitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 6 avril 2022, pour un montant total de $40,011,30, taxes incluses. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02-326-00-411. Je propose. J'appuie. Merci. Donc, cette étude-là va être une étude de circulation qui va être sur le tronçon, en fait, Yvon Le Renard entre Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que c'est Saint-Jean-Baptiste ou La Rose? Saint-Jean-Baptiste jusqu'à Bernard-Pilon. Donc, pour évaluer l'impact des nouveaux développements et des... Oui, jusqu'à la fin, en fait, d'Yvon Le Renard qui devient Yvon Le Sud par la suite, là, donc jusqu'à Bernard-Pilon, il va y avoir évaluation et étude de circulation. Point 45 maintenant, démolition et reconstruction, bien, toujours du chalet Alfred Nissen. C'est une étape au niveau des services professionnels d'architecture. Madame Trudel, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est pour l'offre de services professionnels d'architecture de la ferme Architecte Duquette, qui est datée du 8 avril 2022, pour la construction du nouveau chalet. Considérant que la nouvelle construction servira à abriter un bureau de réception, des salles multifonctionnelles, dépôts et entreposages, et que le bâtiment aura une superficie totale d'environ 2500 pieds carrés, le contrat consistera à réaliser l'ensemble des documents préparatoires nécessaires en vue d'une publication d'appel d'offres, et c'est en mode conception-construction. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour les services professionnels d'architecture, programmes fonctionnels et techniques et devis de performance pour la démolition et la reconstruction du chalet Alfred Nielsen. C'est la firme Architecte Duquette, sur la base des prix forfaitaires apparaissant sur l'offre de service datée du 8 avril 2022. Le montant total estimé est de $33,112,80 taxes incluses et d'autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Passons au point 46, qui est la location des autobus avec les conducteurs pour les sorties de camp de jour 2022. L'octroi de contrat, je vais demander à Martin Dubreuil d'en faire lecture. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour la location d'autobus avec conducteurs pour les sorties de camp de jour au plus bas soumissionnaire conforme, soit les autobus Robert LT, sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 8 avril 2022. Pour la saison estivale 2022, soit du 27 juin au 18 août, pour un montant total estimé de $33,009,32, taxes incluses. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02-701-20-448, sous projet 2CAMJR et 2CAMCA. Oui, les fameux sous-projets. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Nettoyage d'épuiseurs, donc octroi de contrat. Madame Trudel, vous en faites lecture, s'il vous plaît. Merci. C'est une demande de prix qui a été réalisée auprès de 4 fournisseurs et il y a 2 réponses qui ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour le nettoyage de puiseurs au plus bas soumissionnaire conforme. C'est Caninspec Inc. sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bordereau de prix du 7 avril 2022. Et c'est une période de 6 mois, soit du 17 juillet au 31 décembre 2022.
avec la possibilité de reconduction. Le montant total estimé est de 46 478,64 taxes incluses et la valeur totale du contrat pour une période d'un an et six mois est estimée à 92 957,48 taxes incluses. Alors, j'appuie. Merci. Vous aurez compris que c'est un chevauchement d'années là, pour le contrat. Ah! Ça va? Point 48, travaux de réfection des rues Dupré et Gagnon. Des grands travaux s'en viennent. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Monsieur Laz, voulez-vous nous en faire la présentation? Oui. Alors, un appel d'offres public a été réalisé là, pour les travaux de réfection des rues Dupré et Gagnon, soit le projet 2022-01B. Sept soumissions ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour les travaux de réfection des rues Dupré et Gagnon, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Univers Paysagement Incorporé, sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 13 avril 2022, pour un montant total estimé de 4 744 346,34 $, taxes incluses. J'appuie. Merci. Il est à noter que pour ces grands travaux-là, les citoyens qui sont riverains là, des rues Dupré et Gagnon vont recevoir des invitations pour prendre connaissance du projet. Point 49 maintenant, le parc Gédéon Coursol, fourniture et installation de modules de jeu. Donc, on en a parlé très, très brièvement en entrée de séance là, des grands modules pour le parc qui est tout près de l'école Tournesol. Je vais demander à M. Chabot de nous en faire la présentation. Alors, il est proposé d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeu au parc Gédéon Coursol aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit équipement récréatif Jean-Bette incorporé, sur la base des prix forfaitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 12 avril 2022, pour un montant total estimé de 201 896,10 $, taxes incluses. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 22 715 18 701, sous-projet 22L003. J'appuie. Merci. Point 50 maintenant, au niveau de la direction du génie, c'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC. Donc, pour 2019-2023, programmation partielle et approbation, je vais demander l'aide de M. Dubreuil pour en faire la présentation. Alors, je vais tenter de vous synthétiser ce document. La Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. La Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle. La Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre d'Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 1, ci-jointe, et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Alors, je propose le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période 2019-2023. J'appuie. Merci. Si je peux peut-être vulgariser un peu ce programme-là, il vise à nous aider au niveau des infrastructures. Donc, les villes ont l'obligation, en fait, de prioriser la qualité des infrastructures qu'ils ont sur leur territoire. C'est une priorité de 1 à 3, si je ne me trompe pas. Et de là, en fait, on va du plus urgent vers le moins urgent, mais la taxe sur l'essence nous sert en fait à faire des travaux d'infrastructure là, pour s'améliorer par en dessous. Donc voilà. Point 51. Ministère des Transports, un programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Demande d'aide financière et dépôt pour autorisation. Je vais demander à M. Chabot de nous en faire la présentation. Merci. Alors, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour réaliser plusieurs projets afin d'améliorer le bilan routier et de sécuriser les piétons et cyclistes en procédant par l'aménagement sur rue. La ville s'engage à payer sa part
des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. La Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au PAFFSR associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Le directeur des travaux publics est autorisé à signer tout document à cet effet. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci. Donc, encore une fois, pour complément d'information, cette subvention-là va nous servir à l'acquisition d'afficheurs de vitesse supplémentaires qui sont bien appréciés là, dans la municipalité, ainsi que d'ajout de clignotants rapides pour traverses piétonnières. Si je ne me trompe pas, il y en a 4 ou 6 là, qui vont servir à être acquis. On ne sait plus la quantité. Je ne vais pas m'avancer sur la quantité, mais je peux vous... avancer sur l'objectif là, visé par la subvention. Donc, on parle de plusieurs endroits là, qui sont ciblés pour installer les fameux radars de vitesse et puis les traverses piétonnes à clignotant rapide. Point 52, station de pompage, système de télémétrie. Pour la mise à niveau et l'octroi de contrat pour la régie, je vais demander l'aide de Mme Ali pour la présentation. Oui, la Ville de Belœil possède 5 stations de pompage sur son territoire. Les stations utilisent actuellement différents systèmes de télémétrie pour la gestion des stations de pompage. La Ville désire harmoniser la télémétrie des stations de pompage avec celle de la Régie des eaux afin de leur confier éventuellement la gestion des stations de pompage. La Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu dispose de la compétence et de la main-d'œuvre pour faire l'entretien de ces stations de pompage. La Régie a évalué le coût d'harmonisation de la télémétrie à environ 40 787 et 38 sous. Taxes incluses pour la main-d'œuvre et les pièces. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour la mise à niveau de la télémétrie des stations de pompage à la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu pour un montant total estimé 40 787 $ et 38 sous, taxes incluses. J'appuie. Merci. Point 53 a été reporté. Peut-être la raison ou l'explication du report du point 53, c'est l'acquisition là, de 500 ampoules d'ailes supplémentaires. Donc, on a profité du fait qu'on devait acheter 500 ampoules supplémentaires pour valider auprès des directions là, des travaux publics s'il était possible d'avoir des ampoules de moins de gris. On se rappellera là, que le 3000K a été installé un peu partout, qu'on aurait souhaité avoir du 2200K si c'était possible. Donc, on a fait la demande, en fait, voir la possibilité de modifier le degré des ampoules d'ailes à acheter, puis de voir qu'est-ce que ça impliquait en termes de coûts. Donc, on est en attente de ces informations-là pour prendre une décision au niveau du conseil. Point 54, élaboration d'un plan directeur des infrastructures sportives de loisirs culturels et communautaires, octroi de contrat. J'ai demandé à Mme Trudel d'en faire la présentation. Merci. La Ville de Belœil est à la fin de son développement urbain et s'apprête à faire des choix importants quant au développement de nouvelles infrastructures sportives, loisirs, culturels et communautaires. Parallèlement, la Ville de Belœil doit s'assurer de répondre aux tendances émergentes et aux meilleures pratiques municipales, notamment souscrire au concept d'environnement favorable à un mode de vie physiquement actif. Pour relever ces défis, Belœil se doit de préciser ses objectifs, planifier ses interventions et prioriser ses actions. La rédaction d'un plan directeur est le moyen retenu pour permettre à la Ville de relever ses défis et d'avoir une vision claire d'où elle va mettre en matière de sport, de loisirs, de culture et de vie communautaire. Pour amorcer ce projet important, tous les membres du Conseil se sont entendus en février 2022 sur un mandat clair à donner à une firme que voici. Réaliser une revue complète des infrastructures sportives de loisirs culturels et communautaires, tout en abordant la question du statut des infrastructures locales et régionales. Le traitement du volet régional est nécessaire dû au rôle de ville-centre de Belœil et la proximité des autres municipalités. Nous avons une historique de projets d'infrastructures réalisés avec la participation d'autres villes. On pense par exemple au terrain synthétique, à la palace de gymnastique ou au centre aquatique. Aussi comme objectif, définir des objectifs et des priorités sur les horizons à court, moyen et long terme, le plan directeur comprenant un plan d'action, d'investissement et d'engagement,
afin de planifier le maintien, la consolidation et l'amélioration des infrastructures en adéquation avec les besoins du milieu et les tendances qui se dessinent. Faire une cartographie de toutes les parties prenantes impliquées, de près ou de loin, en matière d'infrastructures sportives, loisirs, culturels et communautaires et dans l'offre de services sur le territoire. La Direction des loisirs, culture et vie communautaire procédera également à la consultation des organismes et d'une consultation citoyenne. De tous les organismes et d'une consultation citoyenne. Finalement, se doter d'un plan directeur des infrastructures sportives, loisirs, culturels et communautaires et d'un plan d'action, définissant les actions dans le temps et en évaluant sommairement leurs coûts le cas échéant. Trois firmes ont été contactées afin de déposer des propositions en lien avec ce mandat. Deux firmes ont déposé des propositions qui sont conformes à ce mandat et nous sommes donc prêts à octroyer le contrat à la firme retenue, conformément à la recommandation du comité d'évaluation. Alors, pour ces raisons, et je propose d'octroyer un contrat pour l'élaboration du plan de directeur des infrastructures sportives, de loisirs culturels et communautaires pour Belœil à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton, sur la base des prix forfaitaires qui apparaissent sur l'offre de service datée du 11 mars 2022, pour le montant total de 55 188, taxes incluses. J'aimerais intervenir, si possible, Mme la mairesse. Oui. Concernant ce projet, j'aimerais demander le vote. On a eu des recommandations de plusieurs conseillers qui voulaient apporter certaines précisions pour clarifier le projet. Alors, j'aimerais qu'on puisse avoir le vote sur cette proposition. Parfait. Le vote étant demandé, on va y aller par district. District 1. Je suis pour cette présentation-là, ce projet-là. Merci. District 2. Je suis pour. District 3. Je suis contre cette offre de service telle qu'elle. District 4. Je suis pour. District 5. Je suis contre l'offre de service. District 6. Je suis pour. Attendez, district 7, je m'excuse. Ah, oui. Je suis pour. Merci. Et district 8. Je suis contre la proposition telle que proposée. Je vais me prévaloir de mon droit de vote pour voter contre la proposition pour aller finaliser quelques détails et informations nécessaires là, à ce que ce soit un plan qui répond à l'ensemble des besoins. Donc, la proposition est rejetée telle qu'elle. Point 55, comité d'intégration des personnes handicapées, nomination. Je vais demander l'aide de Mme Lavoie. Oui. Donc, considérant que le mandat de 6 membres du comité d'intégration des personnes handicapées est échu, il y a 4 membres qui ont manifesté leur intérêt de renouveler leur mandat. Alors, il y a un poste de membre de représentant des organismes et un poste de membre résident qui sont actuellement vacants. Alors, je propose de nommer les personnes suivantes pour siéger sur le comité d'intégration des personnes handicapées pour un mandat de 2 ans à compter du 25 avril 2022, soit Mme Diane Malo, représentante de, les acronymes, là, la PVHVR, membre organisme. Si vous voulez préciser, qu'est-ce que ça veut dire, la PVHVR? L'Association des personnes handicapées de la Vallée du Richelieu. Ah, voilà. Monsieur Gilles Corbeil, représentant du CIS, ça c'est un centre intégré de services... Santé et services sociaux. Services sociaux. Donc, il est membre organisme. Madame André Morissette, qui est aussi une représentante du CIS, qui est un membre organisme. Madame Sonia Saint-Aubin, représentante de l'Association de la Vallée du Richelieu en déficience, qui est aussi un membre organisme. Et Monsieur Jean Labrec, qui est un membre citoyen. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. Merci. Point 56, Sopière, gestion sportive. Donc, la gestion du centre aquatique, la gestion de la piscine extérieure Réal-Vinet. Autorisation de paiement. Je vais demander à M. Dubreuil d'en faire la présentation. Alors, considérant que le protocole d'entente pour l'exploitation du centre aquatique signé entre la Ville de Belœil et Sopière Gestion Sportive le 13 novembre 2018, le protocole d'entente pour l'exploitation de la piscine Réal-Vinet, signé entre la Ville et Sopière Gestion Sportive le 20 février 2019, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 132 069 $ plus taxes applicables à Sopière Gestion Sportive représentant le déficit d'opération pour l'année 2021.
J'appuie. Merci. Donc, passons au point des correspondances et des documents déposés. Alors, nous avons la liste des documents, la liste des déboursés pour la période du 25 mars au 21 avril 2022 qui est déposée. En point B, à la direction de l'urbanisme, on a le rapport des permis et certificats de construction pour le mois de mars. Je vais laisser Mme Trudel en faire la présentation. Merci. Donc, pour 2022, au mois de mars, il y a eu 34 permis qui ont été accordés. Le cumulatif depuis le début de l'année de 79. La valeur des travaux pour le mois de mars est de 3 080 970. Et pour le début de l'année, le cumulatif est de 5 881 046. Les certificats d'autorisation sont de 22 pour le mois de mars et 53 pour le cumulatif de début de l'année. Et la valeur déclarée des travaux de 405 314 et 1 012 152 depuis le début de l'année. Merci. Et en point C de la liste des documents déposés, nous avons la liste des employés temporaires qui est déposée également. En point 58, activités de financement pour les organismes à but non lucratif et participation et subvention. Je vais demander l'aide de mon collègue Karim André Laz pour en faire la présentation et proposition. Alors, je propose d'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux activités de financement de certains organismes à but non lucratif et d'autoriser l'achat de billets en vue de la participation aux activités suivantes. L'activité avec la Fondation L'Intermed, un brunch dîner le 1er mai 2022 pour un billet à 90 $ et à la Maison amérindienne, festin de crabe le 23 avril 2022, un billet à 150 $. Je propose également d'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux événements ci-dessous mentionnés et d'autoriser le paiement des inscriptions ainsi que des frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas, le cas échéant, le tout sur présentation de pièces justificatives. Alors, on parle de l'événement avec la Fédération québécoise des municipalités, le 5e rendez-vous du développement local et régional le 27 avril 2022 pour une inscription à 235 $. J'appuie. Merci beaucoup. Nous en sommes donc au point 60, qui est la nouvelle période d'intervention des membres du Conseil. Donc, certains membres ont souhaité intervenir. Alors, tout simplement, en fait, pour être certaine de ne pas oublier personne, je vais y aller en ordre de district. Puis, si vous avez un point à nous partager, je vous invite à le faire. Donc, au point district numéro 1, tout est beau? Parfait. District numéro 2. Oui, j'ai deux invitations à vous faire. Cette semaine, en fait, jeudi à 19 h, il y aura lieu la table de quartier pour le district 2. Et à ce sujet, j'ai une question pour l'administration parce qu'il y a des citoyens qui m'ont demandé, ne pouvant pas se présenter, est-ce qu'ils peuvent soumettre leur sujet pour qu'on puisse voir s'il y a d'autres citoyens qui veulent l'avoir en ordre du jour ou leur répondre éventuellement? Oui, merci beaucoup. Et la deuxième invitation, c'est pour, vous savez que la forêt nourricière a été plantée en septembre dernier, ça se trouve être sur la rue Le Chasseur. Et il y a des formations et des ateliers qui sont offertes gratuitement par la Ville de Belleuil, mais qui sont présentés par M. Wayne Roland, qui en a été le concepteur. Alors, on vous invite à vous inscrire et à y participer grandement parce qu'évidemment, on veut en faire un projet pour la communauté. Donc, il y a deux ateliers qui sont offerts le 11 mai. Ça se déroule sur Zoom. Et le 18 mai, c'est en présentiel. Alors, pour le 18 mai, là, les heures de présence sont de midi. Il y a plusieurs éléments, en fait, entre midi et 19 h. Oui, là, c'est ça, merci. Sont, des plages horaires qui sont proposées. Merci. Puis sur Zoom, bien, c'est de 19 h à 20 h 30. C'est tout. Merci. C'est des belles invitations. District 3. Rien à signaler. District 4? Rien non plus. Ça va bien. On aime ça. District 5. Alors, bien, je voulais vous inviter également à la table de quartier du District 5 du Vieux-Belleuil qui va avoir lieu le 5 mai prochain. Alors, pour moi, le fait d'avoir ces tables de quartier-là, c'est une occasion vraiment spéciale, unique de nous rencontrer et de discuter de sujets qui vous tiennent à cœur pour le quartier. Donc, il s'agit aussi d'amener des idées de l'eau au moulin. Pour moi, en fait, je vois la démocratie comme quelque chose qui part du bas puis qui monte vers le haut. Pour moi, c'est un beau levier
pour faire en sorte que cette chose-là se passe. Et puis, ben, je suis, comme ma collègue Renée, très excitée par le projet de forêt nourricière. Alors, je vous invite fortement à vous inscrire aussi aux ateliers tels que mentionnés, aux dates et tout ça, sur le site de la ville de Belœil. Alors, pour vous inscrire à la table de quartier, il s'agit d'aller aussi sur la plateforme Je participe. Et donc, on va finalement discuter, c'est ça, je pense, pendant cette soirée-là, entre autres, d'un projet de réfection de la rue Gagnon et du Pré qui va nous être présenté par les travaux publics, n'est-ce pas? Ah, la directrice du génie, Madame de Courval, c'est ça. Donc, il va y avoir ça en partie, mais effectivement, il va y avoir autre chose, là, évidemment, un espace aussi de discussion, puis j'ai très hâte de vous rencontrer et de discuter avec vous. Merci. En complément d'information, vous avez l'ensemble des dates par district, des tables de quartier. On les a échelonnées, en fait, une rencontre par mois. Donc, vous pouvez retrouver toutes les dates sur jeparticipe.belœil.ca. Donc, voilà notre nouvelle plateforme. Vous pouvez poser en direct même vos questions. Les gens peuvent… Vous pouvez même aller apprécier, en bon français, aller liker des commentaires qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Donc, bien intéressant à suivre. District 7. Oui, bonne nouvelle pour les bourgs de la capitale. Donc, il va y avoir une voie d'installer sur Saint-Jean-Baptiste permettant le virage à gauche sur la rue Angémé-Lebrun pour les gens qui sont en provenance de l'autoroute 20. Donc, ça va avoir pour effet de réduire la circulation au carrefour giratoire et puis faciliter surtout que ça soit plus rapide d'accéder au bourg de la capitale. Dans le moment, on peut quitter, mais on ne peut pas rentrer en provenance de l'autoroute 20. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et ça, c'est temporaire pour quelques années, le temps que le carrefour giratoire se fasse. Mais ça va aller beaucoup plus tard dans le projet de la phase 5. Alors, voilà. Oui, en effet, une excellente nouvelle. Et j'en profite pour remercier, en fait, nos services, les employés de la ville qui ont fait l'étude de circulation, qui sont à la recherche de solutions pour des situations comme celles qu'on vit avec le contexte avec Angémé-Lebrun. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont été, qui ont travaillé fort à trouver cette piste de solution-là. On a bien hâte de pouvoir élargir Saint-Jean-Baptiste, en fait, juste à la hauteur d'Angémé-Lebrun pour permettre une voie de virage à gauche. Essentiellement, quand on descend de l'autoroute, on va avoir un petit élargissement. On va aller asphalter là, une portion pour être capable d'engager au centre un virage à gauche pour les gens qui arrivent de l'autoroute. Alors, c'est essentiellement cela. Et ça va se faire, on n'a pas d'échéancier encore, hein, M. Robert. On espère là, imminemment, mais évidemment, on est bien conscient qu'il y a des priorités à respecter, là, mais on entendait les souhaits là, des travaux publics là, en fonction du dégel et des étapes là, de travaux, donc incessamment. District 8. Eh bien, le district 8, suite au jour de la Terre, je voulais remercier les 35 citoyens qui ont ramassé des déchets dans le parc Victor-Brion. Alors, c'était une initiative citoyenne qui est partie du bas. Je suis très, très conscient qu'on a des besoins de nettoyage de notre ville. Alors, j'invite tous les autres districts et tous les autres citoyens à aller sur jeparticipe.belœil.ca et proposer un ramassage de déchets. Voilà. Merci. Bien, c'est un point très intéressant qui est ajouté. Je suis bien contente d'avoir fait un survol le tour des districts. Merci de votre participation. On en serait donc au point 61 pour la période de questions. Alors, est-ce que, Mme Vallière, nous avons des questions sur le site? Oui, tout à fait. Je commence avec M. Hugues Riendeau, qui réside sur la rue des Marquises. Bonsoir. Qu'en est-il du projet pilote EXO à la demande, qui se termine dans un mois, surtout pour le service de navette pour le train de banlieue? Merci. Oui. Bien, on a eu beaucoup de discussions, entre autres avec EXO, parce que vous vous rappellerez qu'on souhaite arriver là, à la gratuité du transport collectif local et un peu plus pour nos et extra pour nos étudiants. Suite à de nombreuses plaintes qu'on a eues des citoyens, on a interpellé EXO pour voir s'il y avait des pistes de solutions. Donc, on est en train de voir à l'option de mettre une formule hybride, donc avec EXO à la demande.
C'est ce que EXO est en train d'évaluer là, en termes de coûts puis de faisabilité. Mais ce qu'on souhaite de tout cœur, en fait, c'est que les navettes qui vont vers le train puissent être remises en circulation là, sur les trajets fixes pour s'assurer, en fait, qu'il y a une concordance la meilleure possible entre le train et les autobus, autant pour l'aller que le retour. Donc, il y a vraiment un travail qui se fait actuellement là, de la part d'EXO à ce niveau-là. Pour le projet pilote EXO à la demande, on a quand même un bon taux de satisfaction et on souhaite reconduire pour une année supplémentaire le concept d'EXO à la demande en se disant qu'on va avoir une année un peu plus normale pour être capable de tester la proposition. Évidemment, le conseil va arriver, on l'espère, là, très rapidement avec l'annonce de la gratuité pour le transport local et on l'espère aussi que ça va amener un achalandage plus grand. Donc, on espère de tout cœur que le service sera de qualité et répondra aux attentes de tous. Je vous remercie, M. Riendeau. Dans la salle, est-ce qu'on a des questions? Antoine Courdi. Bonjour, M. Courdi. J'aurais quelques questions, mais je n'ai pas tous les détails de l'information. Je vais parler de l'item 33, la servitude que vous avez laissée aller. Là. Oui. Est-ce que vous allez enlever la tuyauterie aussi, qui est en dessous terre, ou vous le laissez sur le client à le faire plus tard et être obligé de payer qu'est-ce qu'il y avait avec? C'est une bonne question. Madame Vallière, est-ce qu'on a la réponse à la question de M. Courdi? Parce que les installations ne nous appartiennent pas, en fait. C'est exactement. Ça, c'est vraiment une servitude qu'on avait pour accéder à ces installations-là, mais qui ne nous appartenaient pas. Donc, on n'a plus besoin de cette servitude-là. Mais ça ne nous appartenait pas, j'imagine qu'on n'a pas d'implication financière là, dans le projet, mais on pourra vous revenir avec plus de détails, parce je pense. Le conduit, il servait à quelque chose en 1946? Je ne sais pas, il y avait de l'eau, il y avait des égouts, il y avait je ne sais pas quoi qui passait là. Oui, mais la plomberie ne nous appartient pas, puis on n'a plus à se servir de ça. C'est pour ça qu'on se retire de ça. Ça reste là. Mais ça appartient peut-être à une autre ville, là, mais pas à nous. Ça appartient à une autre ville? Peut-être. Est-ce que la ville va voir, est-ce qu'ils enlèvent pour ceux qui l'ont là? Si un jour ils vont, je sais qu'il n'y a pas de servitude, mais s'il veut creuser là, il va se taper un tuyau en béton. Le lac Hertel, vous savez où il est, le lac Hertel, donc dans la montagne du Mont-Saint-Hilaire. Ah oui, donc, je sais. Ça part de là. Quatre lacs en haut, puis là. C'est un conduit qui se relie à Belœil. Donc, en fait, c'est un immense conduit qui est installé là. Je ne pense pas qu'ils vont retirer le conduit à moins. Je voudrais pas m'avancer. Ce conduit-là. Pardon? Il doit servir ce conduit-là, mais pas à nous autres. On n'a plus l'opportunité de s'en servir. Ça ne nous sert plus à rien. On a d'autres choses. Donc, ce n'est pas à nous à retirer ça si d'autres personnes s'en servent là, actuellement parce que ça ne nous appartient pas. On avait un droit d'utilisation, mais là, vous on n'a plus besoin. Ça, je comprends, là. Oui. Mais le client, c'est un citoyen de Belœil. C'était la ville de Belœil qui demandait la servitude. Non. C'est Mont-Saint-Hilaire? C'est Mont-Saint-Hilaire, oui, c'est ça. Ça se retrouve sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'était... Ouais, c'est ce que je parle, c'est le citoyen, il y a une servitude qui était sur son terrain, il va se trouver un tuyau, je ne sais pas, en béton ou en bois, sous terre, chez lui, devant lui ou derrière, je ne sais pas. On peut valider, M. Courdi, mais l'ensemble des infrastructures sont à Mont-Saint-Hilaire. Mais on peut vérifier notre responsabilité là-dedans. Votre prochaine question? Oui, si je peux. L'item 46, les autobus. Oui. C'est un prix unitaire, la location d'autobus avec chauffeur? C'est vraiment des entrées, ça. Pour tout le camp d'été, c'est-à-dire 10 semaines? La location, c'est pour 10 semaines? C'est vraiment pour chacune des sorties là, qui est entrée-sortie. Puis le montant est fixé à même les frais de camp de jour. Donc, je sais dire, mais c'est combien de sorties? Une, deux, trois, quatre? Trois sorties? Trois sorties, 10 000, 11 000 $ par sortie, un autobus, un chauffeur. Attendez, là. Je prendrais un avion privé, moi, pour aller à Québec. Au point 46. Ah oui, il y a plus que ça, il y a plus que de sorties que ça, là. Il y a plusieurs sorties, mais il y en a trois qui nécessitent un transport.
C'est les trois qui sont listés à la page 658. Sortie camp de jour, navette camp de jour, club aventure ado. C'est drôle. Hein? Okay. Ils sont regroupés peut-être. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Oui, ça doit on être va vous revenir avec ça. Je vais aller au contrat de 4 millions pour Dupré et... Oui, Gagnon. Okay. Et Gagnon. Je vais regarder vite, vite les prix. Là. On part de 4 millions et quelques à 6 point quelques millions. J'imagine à 2 millions de différence sur une soumission, il y a une qualité qui doit être payée pour la différence. Pourquoi dans ce cas-ci, il n'y a pas eu l'évaluation, la grille d'évaluation des fournisseurs pour avoir, savoir vraiment si on a de la qualité à 4 millions contre une qualité à 6 millions, s'il y a qualité, on s'entend. Madame Valère, est-ce qu'on a des informations à ce sujet-là? Sur la procédure? Ben, en fait, oui, il y a une évaluation qualitative qui est faite par un comité de sélection. Puis souvent, par contre, dans ces cas-là, c'est quand même le prix. La loi nous oblige à respecter la grille et le calcul du gouvernement qui donne souvent raison au plus bas soumissionnaire conforme. Merci. Il n'y a pas de qualitatif. C'était vraiment le prix dans ce cas-ci, on me dit. Alors, je vais dire, là, s'il y en a eu une, c'est pourquoi on a les prix affichés, contrairement à une autre soumission plus tard ou avant. Là. Il y a trois soumissionnaires, il n'y a pas de prix, mais on a donné quand il y a du qualitatif, ce n'est pas seulement le prix, mais dans ce cas-ci, ce n'était que le prix. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire conforme, c'est la loi qui nous oblige. Donc, il y a des chances que le travail ne va pas être fait de qualité pour 2 millions. On va s'assurer de la surveillance des travaux, tout à fait. Parce que c'est une grosse différence, là, quand même. Là. Idéalement, vous devriez éliminer le plus haut et le plus bas et travailler avec ce qui reste. Parce que c'est comme ça qu'on travaille. La loi ne nous permet pas. Vous ferez votre demande au ministère, okay. Au gouvernement du Québec. D'accord. Troisième item que je veux couvrir, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Cool, là. J'en ai beaucoup en ligne, madame. Oui. Ah, OK. Donc, M. Courdy, si vous me permettez, on va alterner avec les questions du public en ligne. Donc, une demande de M. Jean-Claude Tanguay. Est-ce que la Ville a débuté des démarches pour profiter des subventions pour la construction de HLM et de logements abordables? Bien, en fait, on est avec plusieurs partenaires là, à trouver des pistes de solutions. Le réseau de développement social de la Vallée-du-Richelieu met en priorité ces éléments-là. On travaille également aussi avec les députés provinciaux fédéraux pour trouver des pistes de solutions. Et il y a même des promoteurs qui nous ont approchés pour essayer de trouver des solutions au logement abordable. Donc, c'est des projets qu'on espère voir le jour, mais qui ne sont pas encore sur la table à dessin, là, malheureusement. Là, c'est des projets de longue haleine, mais on souhaite de tout cœur être capable de pouvoir bénéficier de ces montants-là qu'on sait présents. Je prends une autre question en ligne. Oui. Oui. Madame Chantal Cesarato, dans le point 44, qui est l'étude de circulation là, pour Yvon Lheureux, est-ce que l'étude est dans le but d'ajouter une voie de circulation supplémentaire dans les deux directions? J'ai pas entendu le nom de la dame. Chantal Cesarato. Cesarato, Madame Cesarato, merci. Bien, en fait, c'est pour évaluer un peu tout ça. C'est de voir en fonction là, de tout ce qui se passe comme déplacement puis utilisation du boulevard Yvon Lheureux. Certains ont cette perception-là qu'il faudrait ajouter des voies, d'autres ont d'autres attentes ou objectifs. Donc, on va aller se préciser avec une étude d'évaluation qui va vraiment évaluer, en fait, les entrées-sorties puis l'utilisation adéquate qu'on fait actuellement puis qui est projetée avec les nouvelles constructions. Donc, la solution n'est pas encore au bout des lèvres. Là. Tout va être sur la table à dessin. Juste peut-être pour poursuivre, elle a un point de précision, toujours avec l'étude de circulation. Elle demande, Mme Cesarato, est-ce que la régie de police sera sollicitée afin d'appuyer l'étude, à savoir le flot de circulation, la vitesse? Je n'ai pas cette information-là avec moi. Oui, Mme Vallière? Non, bien, en fait, l'étude de circulation, c'était ça qu'elle sert. Donc, ce sont des scientifiques, des ingénieurs spécialisés en trafic.
qui vont faire leur propre étude, naturellement, de circulation. Il y a du comptage qui se fait, il y a les périodes de pointe, il y a vraiment beaucoup de critères là, qui sont considérés. Puis, il y a aussi la projection du développement, effectivement, qui est considérée. Donc, l'étude sert à ça, là, de s'assurer d'avoir toutes les données. Donc, c'est beaucoup au-delà de ce qu'il y a actuellement. Il y a l'inventaire de ça qui est pris, mais il y a aussi tout le volet de projection. C'est quand même une étude de 40 000 $ donc il y a beaucoup de données scientifiques là, qui vont être fournies pour qu'on puisse, avec une recommandation de ces professionnels-là, pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Merci. Est-ce que dans la salle, on a d'autres questions? Oui, Jean-Yves Labadie. Dans le fond, c'était concernant le Gagnon. On parlait des travaux, dans le fond, là, pour Aqueduc et Gou. La consultation va se faire pendant votre consultation du 5 pour le Vieux-Belleuil? La consultation… C'est pas une consultation, non, c'est ça. C'est une présentation. La présentation des travaux, ça va se faire en même temps que Dupré? Que la rue Dupré, oui, si je ne m'abuse, oui. Non. Dupré-Gagnon, non? Non. Vous, pour votre quartier, ça sera que Dupré. Et quand il y aura la rencontre de quartier pour le district 6, qui est le district de la rue Gagnon, c'est là que ça sera présenté à la population. OK, parfait. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Oui, tout à fait. Madame Cesarato, encore une fois, au point 50, qu'est-ce que c'était le point 50? Le programme de taxes sur le carburant. Je vous conseille d'installer des traverses piétonnières avec clignotant. À l'endroit du rond-point Saint-Jean-Baptiste et de Yvon Lheureux, avec la densité de population, la maison des aînés, la résidence de réseau sélection. La sécurité est une priorité afin d'assurer la vie de nos concitoyens. Cet endroit devrait être votre priorité. En effet, mais il y a un projet là, de sécuriser les traverses piétonnes là, qui va être fait justement autour du carrefour giratoire là, de Saint-Jean-Baptiste, Yvon Lheureux, très prochainement. On a même eu de subventions pour ce faire. Là. Donc, il y aura vraiment un projet exactement dans le sens de Mme Cesarato qui va se mettre en place très, très prochainement. Merci. Est-ce que dans la salle, on a des questions? Absolument. Encore une fois, Antoine Cordier. La question 50 sur le TEC, je pense que c'est le TEC encore une fois. Oui. On reçoit ces argents pour réparations structurelles. Mm-hmm. Toutes les conditions doivent être respectées, mais c'est approuvé par le ministère, c'est ça? Oui. Mais le ministère en lui-même, il te dit, je ne suis plus responsable. La ville est tout à fait responsable après. Est-ce que quelqu'un peut me... On lui propose, ils acceptent le projet, ils mettent leurs conditions, après ça, il te dit, non, s'il y a un problème, c'est ton problème. C'est pas normal, ça, là. Ben, je peux laisser Mme Vallière peut-être donner plus d'informations. En même temps. En fait, merci. En fait, c'est des travaux qui sont chez nous. Ce sont des travaux qui appartiennent à la ville. Et la TEC, la taxe sur les carburants, nous permet de financer des travaux qui sont chez nous. Ce qu'ils font, le gouvernement, c'est qu'ils gèrent les priorités. Il y a un plan d'intervention qu'on appelle pour que... qui s'assure que les priorités soient faites. Parce qu'il y a eu déjà, dans le passé, on faisait beaucoup d'asphalte, puis on ne faisait pas beaucoup de souterrain parce que c'était moins visible. Donc, le gouvernement s'en est mêlé pour s'assurer que notre souterrain, aqueduc et goût, soit priorisé. Donc, oui, il approuve le plan d'intervention. Ensuite, bien, il nous dit, vous faites les travaux en fonction de ces priorités-là et nous, on vous aide. Donc, naturellement, c'est nous qui faisons les travaux, c'est nous qui avons la responsabilité que les travaux soient bien faits. C'est chez nous, ce sont nos infrastructures. J'espère que ça répond. Ils sont aucunement responsables. Non, c'est vraiment chez nous. OK. Dernière question, si possible, c'est Sopiard. Oui. Encore cette année, une perte ou un manque à gagner. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Et puis, j'ai juste reçu ce matin... de l'information sur les centres aquatiques pour les trois dernières saisons, 19, 20, 21. Et les trois saisons, ils font pas d'argent, mais les coûts sont relativement les mêmes. Ils sont en cours, ils dépassent leur... j'ai essayé de comprendre un peu les chiffres qu'il y a là. Comme cette année, vous leur donnez un autre 132 000, OK? J'essaye de voir les pertes ou le manque à gagner sur l'opération, parce que je vois deux items sur la feuille, là.
une qui est la ville, dépenses autres services, travaux publics, finances, juridiques. Ça, c'est la ville. Le coût d'énergie, c'est la ville le prend, c'est pas Soupiard, donc c'est pas d'opération. La partie opération, moi, je vois un manque à gagner net de 91 000 $ pour le centre aquatique. Je ne parle pas de Vigny, là, je ne connais pas. OK. La différence, 132, 91, ça viendrait d'où? Madame Valère, est-ce que vous voulez répondre? Bien, en fait, je ne sais pas où vous prenez vos chiffres, là. On pourra regarder tantôt, M. Courdy viendrait me le montrer. Mais naturellement, on est dans le dernier exercice. C'est un exercice qu'on doit encore dire COVID, là, avec des inscriptions limitées. On ne pouvait pas prendre tout le monde. Donc, c'est vraiment une baisse des revenus anticipés par rapport aux cours, aux formations, aux bains libres et tout, là. C'est vraiment une problématique en lien avec ça. C'est que... Ça répond? OK. Une dernière question, peut-être supplémentaire. Saupierre dépose un état financier du centre aquatique. Il dépose au conseil, il est accepté, ou à ville. Pourquoi ces documents, il faut que je fasse une demande exprès, accès à l'information, alors que c'est un document public, juste à le nommer, on devrait nous l'envoyer automatiquement. Et ce n'est pas le seul document, là. Tout ce qui est déposé par les régies sont publics lorsqu'ils sont déposés. Donc, on doit avoir accès sans demande express qui prend 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. J'ai demandé cette information au début du mois. Je l'ai reçue ce matin. Alors, si je veux lire et je veux appeler quelqu'un qui m'explique, il n'y a personne. Donc, je voudrais qu'on améliore un peu ce point-là parce que s'il y a des affaires qui sont... Il faut faire la demande parce qu'il y a des confidentialités, mais quand c'est des documents déposés, je pense qu'ils sont publics. Mais Tremblay, merci. Est-ce que... Il faudrait voir de quel document exactement il parle. C'est sûr qu'il y a des documents qui ne sont pas déposés au conseil. Là, les prévisions budgétaires, il y en a une partie, mais le rapport financier du Saupierre, ce n'est pas un document qui appartient à la ville qui est déposé là, en séance. Donc, ça dépend c'était quoi l'objet de votre demande d'accès. Mais si vous voulez, vous pourrez communiquer avec nous à la direction des affaires juridiques. On va vous expliquer pourquoi il y a certains documents qui doivent passer par l'accès. Je lis aujourd'hui dans l'item 56, les états financiers sont déposés. On y fait référence dans la résolution, mais ils ne sont pas déposés au conseil. Ils ne sont pas déposés. Mais vous pouvez communiquer avec moi dès demain, là, puis on pourra en discuter. Okay. Je vous remercie. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui, Mme Cesarato, encore oui? une fois. Donc, le point 54, c'est quoi 54? C'est le plan directeur. Directeur. Est-ce que cela signifie que si un organisme sportif fait une demande pour obtenir une installation sportive, exemple, un centre sportif intérieur avec une glace et un terrain synthétique de soccer sera refusé? À moins de ne pas avoir capté le rejet de cette proposition, je crois que c'est important d'investir dans notre communauté afin d'attirer différents partenaires commerciaux et de faire une ville active. Absolument, mais c'est une priorité d'avoir le plan directeur au niveau des sports, loisirs et de la culture. Je pense que si on veut essayer de vulgariser un peu ce qui se passe comme situation, c'est un report plus qu'un refus d'aller de l'avant avec le plan directeur. C'est de réviser les offres de services qui ont été présentées pour en faire des modifications légères pour que l'ensemble du conseil soit confortable avec la proposition. Donc, le plan directeur ne va pas disparaître, je vous le confirme et je vous l'assure, l'ensemble du conseil souhaite avoir un plan directeur sport et loisirs. Il reste des détails à peaufiner. Une autre question de Mme Cesarato, une précision en fait concernant l'étude de circulation. Oui. Elle veut savoir le nom des intersections sur Yvon-Leroux où va se dérouler l'étude. Bien, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un long tronçon d'Yvon-Leroux qui va partir du carrefour giratoire de Saint-Jean-Baptiste puis qui va se rendre jusqu'à Bernard-Pilon. Donc, on va longer en fait toutes les intersections qui vont être entre ces deux rues-là qui vont faire partie de l'étude de circulation. Est-ce que je peux poser une question? Oui.
Donc, le tronçon entre Saint-Jean-Baptiste et La Rose ne fait pas partie de cette étude-là? Bien, j'ai comme un doute, là, mais... Ça ne fait pas partie de ça. Il faudrait l'inclure. Bien, là, le... Tu as fait le même mandat. Le contrat. On vient de l'adopter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Plus de questions? C'est complet. Parfait. Monsieur Labadie, bonjour. Oui, juste un dernier point par rapport au point 48, justement, Gagnon. Ça me trotte dans la tête. En fait, Gagnon, on sépare le pluvial des égouts sanitaires, ce qui est une très bonne chose pour les surverses à la rivière. Oui. Ça, c'est très bon. La seule chose, c'est que j'ai un point d'intérêt par rapport à l'école de Tournesol. Il faut s'assurer que les travaux, vu que justement, c'est des travaux d'envergure, que ça ne vienne pas avec la rentrée scolaire parce qu'il y a des camions et tout ça autour de l'école, surtout que c'est une sortie. Vu qu'il y a un sens unique de l'autre côté, on passe par Gagnon pour soit aller sur André-Labadie ou soit descendre sur Richelieu. Il faudrait s'assurer que ça soit ouvert. C'est une très bonne préoccupation, M. Labadie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Non? Madame Labadie, je m'excuse. Oui? Je voudrais juste apporter un point de précision par rapport au point 54 dans la mention du report. Moi, ma compréhension avec la demande de vote qui a eu lieu, étant donné que c'était une proposition pour donner un contrat, on ne pourra plus reprendre ce contrat. Il faut refaire le processus. Juste m'assurer de ma compréhension par rapport au processus administratif qu'on a fait. Là. Si on veut apporter des modifications ou des choses comme ça, on ne pourra pas reporter le point « oui », mais au niveau des soumissionnaires et tout ça, on va faire reprendre le processus. Je veux juste m'assurer d'avoir bien compris ce volet-là. On se questionne parce que ce n'est pas arrivé souvent. Merci. On n'est pas sûr d'avoir la réponse comme ça. On va valider, là. Il n'y a pas eu de rejet de ce qu'on comprend. Puis, il n'y a pas eu de droit de veto pour reporter le point non plus. Ça aurait pu être traité de cette façon-là aussi. Là. En fait, ça pourrait être traité en veto pour pouvoir reporter le point tel quel sans justement... laisser passer les propositions telles qu'elles sont. Là. S'il y a des questions là, de précision qu'on doit avoir, on ne veut pas nécessairement remettre en question l'ensemble des offres de services qui sont déposées. Donc, peut-être que techniquement, on serait mieux d'en faire une proposition de report là, plutôt qu'un rejet. Mais en fait, vous avez 96 heures là, pour décider si vous utilisez votre veto, donc on pourra faire les validations. Oui. Merci. On va regarder tout ça. Juste l'idée, m'assurer c'est d'avancer. Que c'était conforme au processus qu'on déroge pour. Merci beaucoup, Mme Trudel. Excusez-moi, j'ai une question, je ne sais pas, là, administrative peut-être. Je n'ai pas saisi le vote qui a été pris. Oui. Si j'ai bien compté, on a 4 pour, 3 contre sur le conseil. À ce niveau-là, à ma compréhension, si le conseil était égal... La mairesse va voter pour, soit pour ou contre, elle a ce droit-là. Mais s'il y a déjà décision 4 contre 3, je pense que la proposition aurait dû être acceptée. La mairesse, à ma compréhension, n'est pas supposée départager à ce niveau-là. Elle départage seule et seulement si il y a égalité des votes du conseil. Ben, en fait, si j'ai bien compris ça, là, quand je l'ai lu une fois. En fait, la mairesse dispose d'un droit de vote qu'elle a le choix d'utiliser ou non. Ce n'est pas un veto, c'est vraiment un droit de vote, tout simplement. Donc, elle a décidé d'utiliser son droit de vote, donc ce qui rend la proposition 4 contre 4. Puis 4 contre 4, en fait, exactement, la réputation est réputée rejetée. Là, ouais. Exact. Réputée rejetée. Par contre, on va valider mais pour là, s'assurer. Mais en fait, on n'a pas adopté une résolution pour rejeter les propositions. La proposition n'a pas fait l'objet d'une décision. Exact. Donc, c'est ce que j'ai demandé de vérifier, justement. La bonne disposition. Non, c'est pas clair. Non, c'est ça. Mais on avance, en fait, dans des cas d'exception là, qu'on voit rarement. Donc, on va simplement valider et s'assurer de prendre les bonnes décisions pour le meilleur de la population de Belœil. Donc, il y a une autre question qui vient de s'ajouter en ligne. Merci. Madame Cesarato, justement, comme M. Robert mentionnait, entre La Rose et le carrefour giratoire, il y a une problématique qui devrait être incluse dans l'étude. Donc, il y a
commentaire à cet effet-là. Actuellement, merci. On ne peut pas modifier le mandat là, qui a été donné, à moins que ça soit un ajout. On pourra donner peut-être un mandat supplémentaire. Pourra valider avec le conseil pour donner un mandat supplémentaire pour la parcelle, en fait, qu'on voudrait ajouter. J'ai une question. Comment ça se fait que ce tronçon-là a été exclu? On fait tout le boulevard, bord en bord de la ville de Belleuil, puis on vient exclure le tronçon. Non, on fait que ils vont le rue-sud parce que les bourgs de la capitale ne sont pas desservis actuellement complètement en termes de... d'artères. Donc, quand il y aura Serge Pépin, qui va ouvrir jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, donc on va avoir un réseau complètement différent. Donc oui, actuellement, on sait qu'il y a une problématique, mais parce que le réseau n'est pas complété. Donc, c'est pour ça que là, c'est comme temporaire. Là, je sais que ce n'est pas drôle pour les gens qui y sont. Puis c'est pour ça qu'un peu votre présentation de l'intersection d'Angemé-Lebrun avec Saint-Jean-Baptiste, justement, va aider à décongestionner un peu le Yvon L'Heureux, mais c'est vraiment une situation qui n'est pas permanente, alors que le tronçon du carrefour giratoire allait jusqu'à Bernard Pilon. Là, il n'y a pas de modification là, à venir ou d'amélioration du réseau routier qui pourrait décongestionner. Okay, j'aimerais qu'on puisse regarder ce point-là pour que ça soit inclus. Je ne vois pas pourquoi on exclut le tronçon Saint-Jean-Baptiste jusqu'à La Rose. Oui, mais le boulevard dans son état actuel ne peut pas rester comme il est. Je m'excuse, on va ajouter la note au compte rendu. Puis s'il on vous va plaît, voir moi, je ne l'avais pas compris faire. Du tout comme ça. Moi, je pensais que c'était une étude complète et qu'il n'y avait pas un tronçon d'exclu dans l'étude. Merci. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la période de questions. Si on n'a plus de questions du public, alors je demanderai un proposeur pour clore la séance. Madame Ali, appuyée par? J'appuie. Place aux femmes. Vas-y. Madame Lavoie appuie. Merci beaucoup d'avoir été présente.